dormi depuis 19h. Panama fait me dit-elle. Les Arabes ont frappé aux nouvelles depuis l'Angleterre. Au sursaut, direction le Lança. Aux nouvelles, ils télé BFM. Du Bataclan au Gresteron, le Stade de France en ébullition. Une goutte de larmes, ma pense aux frères et sœurs tombés. Que Dieu accueille leur âme en paix. Comme j'ai dit à Yamerson Guess. Ma France, s'il vous plaît, pas d'amalgame. Ne mélangeons pas la folie de l'homme à la religion des hommes de paix. Musulmans, chrétiens, juifs, ne mélangeons à pas d'amalgame. Ce monde est une tombe. Chacun l'affronte comme il veut, comme il peut. Ce monde est une bombe. Chacun fume, pas son beurre, qu'est-ce que tu veux. Ce monde est une tombe. Chacun la fout comme il veut, comme il peut. Ce monde est une bombe. C'est comme ça. Charlie Hebdo était bien réel. Musulmans, chrétiens, juifs, athées, etc. Restons unis, forts, tous en alerte. Allahu Akbar, à chaque attentat, Christ est mort vivant. Je me rappelle que j'ai vécu 5 ans, ma jeunesse avec une femme métisse de la Syrie. 5 années dans sa famille, musulman pratique. Moi, orthodoxe depuis petit, accueilli avec respect de Damas à Abbeville. Ne pas confondre le musulman du Coran au musulman des gruyères sombres. L'homme de la Bible à l'homme à l'est du sombre. Monsieur François Hollande du Front National, l'extrême gauche. Ensemble, réfléchissons à l'éradication du terrorisme afin d'assurer un futur meilleur au navire France. Ombre, ce monde est une tombe. Chacun l'affronte comme il veut, comme il peut. Ce monde est une bombe. Chacun fume, pas son beurre, qu'est-ce que tu veux. Ce monde est une tombe. Chacun l'affronte comme il veut, comme il peut. Ce monde est une bombe. C'est comme ça. Pour mon cœur, tous les disparus qui sont tombés il y a quelques jours sur Paris, que vos âmes reposent en paix, les pères et mères, les frères et sœurs. C'est vrai que ce qui s'est passé il y a quelques jours, chaque jour ça se passe dans certains pays. Mais on n'est pas dans ces certains pays. On n'est pas en guerre ici en France. Donc tous les frères et sœurs, les pères et mères qui sont tombés, que vos âmes reposent en paix, peuple français, je vous demanderai de ne pas faire l'amalgame. La religion musulmane est une bonne religion. Le Coran que j'ai lu tout petit, même si je ne suis pas musulman aujourd'hui, n'est pas ce qui se pratique dans ces attentats. Que le gouvernement français puisse réagir efficacement, puisse mettre des vraies barrières afin d'éradiquer le terrorisme pour le futur de nous déjà et de nos enfants. Que Dieu bénisse et garde la France.